Yo les choux, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est parti pour le jour numéro 2 du Bucolic Challenge. Pour ceux qui n'ont pas suivi, voici les règles. Et voici les objectifs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos, à me mettre un like sur le principe de la team des choux du son de la veine et à me dire en commentaire quelle est la couleur de votre aéroport. Et nous, on y va, c'est parti, let's go. Ok, du coup, aujourd'hui, il n'y a pas ma petite tête, je suis remplacée par mon petit Polaroid. Vous allez avoir une vidéo par jour pendant le mois de juin pour être le plus productif possible et que j'arrive à tenir le rythme. C'est bien plus simple pour moi de pouvoir filmer à n'importe quel moment de la journée sans faire attention à la luminosité, à ma tête et quoi que ce soit. Et donc, on a le petit Pola au-dessus aujourd'hui. On est avec Tom Nook, et ça va être notre première annonce du jour. C'est parti Tom Nook. On a tellement de choses à faire aujourd'hui, c'est parti. Let's go. À partir d'aujourd'hui, je présenterai un bulletin insulaire. Ok, let's go. L'aéroport de Cauliflower a ouvert ses portes. Oui! Ce nom est incroyable, les choux-fleurs les gars. Ça me fait trop bizarre de plus voir Kim Chill par contre, mais Cauliflower, ouais j'aime beaucoup. Vous pouvez désormais utiliser la communication sans fil locale ou en ligne pour voyager d'une île à l'autre. Super, mais nous ne pouvons pas. Le Nintendo Online est interdit pour ce challenge. Ok, le guichet postal par contre, c'est très bien parce que je vais pouvoir l'utiliser pour avoir mes tickets Nook et mes bonus et malus de la part de Molly. Un cerveau fait son entrée à Cauliflower, j'ai nommé Thibaut. Oh mais oui, mais on a débloqué Thibaut hier. Oh, incroyable, parfait. C'est notre premier jour. Journée officielle sur Cauliflower. On va commencer par les mails que j'ai pas pris hier. Mais j'ai plein de courriers, dis donc. Photos de villa de loup, allez. Mes petites bottes, oui, j'ai acheté des bottes de pluie. Et maman, goûte ou plante-en. Elle m'a envoyé quoi? Ça y est, mon inventaire est plein. Allez, établi de bricolage simple, parfait. Ça, ça va trop être pratique parce que vraiment, aller dans la tente de Tom Nook à chaque fois, c'est super chiant. J'ai donc la petite photo des villas de loup, mes petites bottes et un cadeau de maman. Trois pommes. Oh, parfait, ok, du coup, j'ai des pommes et des poires. C'est vraiment mes fruits que j'aime le moins. On est content. On a donc clairement une photo de gens qui sont contents de nous envoyer une photo d'eux alors qu'on les connaît pas. C'est incroyable, on ne s'est jamais vu les gars. Et mes petites bottes, parfait, il ne pleut pas aujourd'hui donc je ne mets pas mes bottes. Ok, je vais planter mes pommes. Oh, des miles, allez. L'art de meubler, n'est-ce pas? Vous avez vu, c'était tellement beau. Ils s'en sont rendus compte, ma déco était incroyable. Ok, du coup il me faut pépites de fer et bois dur, ok. J'ai secoué tous mes arbres hier mais je vais les resecouer aujourd'hui. Comme ça je vais pouvoir gagner, si j'arrive à attraper les guêpes, je vais pouvoir gagner des bonus et donc des tickets Nook et ça c'est super bien. Le récap maintenant. Des bonus et des malus également, puisque du coup vous avez les règles, les objectifs et les bonus et malus. Les voici maintenant affichés, ils sont pas beaux, magnifiques, incroyables, ils sont trop bien. Les bonus sont mieux évidemment. Oui, bien, ouais, j'ai un poisson scorpion, parfait. Et des miles, mais non, parfait, parfait. Je prends mes coquillages aussi pour les vendre. Amélie et Mélo, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc si on peut faire un peu d'argent, ce serait bien. Je vais avoir besoin de money money. C'est que mon deuxième bar commun. En vrai, hier, j'ai joué un petit peu. Donc j'ai secoué mes arbres, j'ai essayé de gagner un petit peu d'argent avec des poissons, etc. pour avoir un peu plus de sous. Et j'ai pêché mon premier bar commun, mais j'en ai pas eu beaucoup. Franchement, j'ai eu plein de poissons qui n'étaient pas des bars communs, tout simplement. Et donc c'était fou. Oh! Oh my god. Attendez, parce que là, l'heure est grave, ok? L'heure n'est pas très grave, puisqu'il n'est pas rouge, mais il est là quand même. Si Gulliver est bleu sur la plage, plus un ticket Nook. Oh, alléluia. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai secoué des arbres. J'ai attrapé une guêpe, donc j'étais super contente, j'avais gagné un ticket Nook. Sauf qu'il y avait un scorpion, j'ai paniqué, il m'a piqué, et donc j'ai perdu mon ticket Nook. Donc je ne suis que à plus un ticket Nook. Mais grâce à Gulliver, nous sommes à plus deux tickets Nook. Merci Gulliver. Ok, on va le réveiller, et j'ai ma bouteille là, parfait. Mon premier plan, ma première bouteille. Miroir plein pied en bois. Ouais, c'est pas incroyable, hein. Salut Gulliver, j'ai juste un problème. Je veux grave bien t'aider pour avoir mon ticket Nook, du coup. Mais j'ai pas la pelle. Je n'ai pas la pelle. Je vais essayer d'avoir la pelle. Regardez mes petites trouvailles, du coup. Je vous ai dit, j'ai eu plein de trucs incroyables. Vas-y, achète-moi des trucs. Alors, je vais te donner ça, ça, ça et ça. 1000 clochettes. Bien sûr que oui, merci. Et j'ai trouvé Tom Nook pour rembourser mon prêt. Let's go. Voilà pour toi. Mes miles s'en vont. Oh, c'est triste. Est-ce qu'on va agrandir notre maison? Faut avouer que franchement, le confort de la tente, bof bof. Hein. Je veux une vraie maison, Tom Nook. 98 000 clochettes, ok. On a tellement peu d'argent. La couleur du toit, ben rose. Ok, donc j'aurai une maison demain, parfait. Et je crois que j'ai eu plein de miles, non? Déjà les miles Nook Plus qui vont apparaître. Oui, trop bien, parfait. Et j'ai gagné des miles fruits de mer. Ah bon? Ok. Prépayé, parfait. On regagne des miles, parfait. Je vais me connecter ici pour avoir mes petits miles quand même. Nook Shopping, il y a quoi du coup? Le champ montagnard, mais j'ai tellement pas d'argent. J'ai tellement très peu d'argent. Il faudrait que je gagne plus d'argent là, franchement. Je suis pauvre. Oh!
Il y a le petit bout qui est là. J'aime trop cette tente par contre, franchement. C'est trop chou, j'aimerais bien le garder comme ça. Ce serait bien qu'on puisse customiser le musée et choisir s'il peut réapparaître comme ça à un moment donné. On va dire bonjour à Gordon quand même. Salut, bah. L'après-midi se passe bien, grave, on papote. Et ce serait pas le chapeau que je t'ai offert. Oh, mais si, c'est ton cadeau, Gordon, on s'entend si bien. Il te va bien, ça met en valeur les muscles de ta tête. Merci, Gordon. Il est trop content, il a reconnu son cadeau, c'est lui qui me l'a offert. Les gars, je vais secouer mes arbres, comme ça je trouve les guêpes pour essayer d'avoir des tickets nooks, essayer de gagner un maximum de tickets nooks et de pas en perdre. Et d'avoir bah, mes bois, enfin mes branches et des glands, etc. Enfin, tout ce qu'on peut trouver dans les arbres. Donc, je vais faire ça maintenant et je vais essayer de faire aussi les pierres. Et donc, on se retrouve après. C'est parti pour une accélération. Let's go! Yes, et un ticket nook, allez, allez, plus 3 tickets, oui, c'est sur le même arbre qu'hier, quoi. Ok, 4 tickets. J'aime trop ce bonus. Oh, Gordon qui regarde l'océan, c'est trop beau. Il est trop mignon. Ouh, 5630 clochettes, parfait. 20 000 clochettes quand même. Ok, on dit bonjour à Rina quand même. Tu te fais plaisir aujourd'hui, badaboum? Ouais, ça va, tranquille. T'as bien pioncé hier soir. Il y a si peu de bruit sur Steel, ça me perturbe. Enfin, je veux pas faire ma bêcheuse, j'ai ronqué comme un bébé. Mais un peu d'animation ferait pas de mal. Bah écoute, on va ramener Kéké de Star. Je vais ranger des trucs dans mon inventaire. J'ai pas d'inventaire. J'ai pas d'inventaire. Haha, lol. Je n'ai pas d'inventaire. De toute façon, ça pourra peut-être servir pour les 3 étoiles. Donc on les place. Je vais pouvoir aller taper sur mes rochers. Franchement, ça va me faire plein de clochettes. Ce serait trop bien. Allez, allez. Ok. Comment ça? J'ai bien tapé pourtant. Let's go. Oups. Oh, une pépite d'or. Incroyable. Oh, trop bien. Masque de pharaon, incroyable. Très utile en début de jeu. Hein. Très utile en début de partie, bien sûr. Oh non, il y a une mauvaise herbe. Je suis dégoûtée. Oh. Bah oui, j'aurais eu bien plus. Ah, j'ai pas enlevé cette mauvaise herbe là. Toi là, je vais t'arracher. Ok, c'est bon. Oh, un ballon. Oh. Je l'ai eu, je sais pas comment je l'ai eu, mais je l'ai eu. Si proche de l'eau, si proche d'un malus. Bonnet tricoté hareng. Ouais, on n'est pas dans la saison. Hein. Les objets, en fait, je voulais les poser pour les vendre, mais en fait, non. Ça me servira pour les 3 étoiles. Parfait, c'est un gros objet. C'est magnifique. Hein. Ok, faut que je plante mes pommes, mais du coup, faut que j'aille voir le Tibou. Donc, go voir Tibou, parce que du coup, sinon, je n'aurai jamais de pelle. Et j'ai besoin d'une pelle. Oh, c'est trop beau. J'aime trop la petite tente de Tibou. Elle est trop belle. Je sais pas où il dort, mais elle est trop belle. Hello! Ouh, ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Tibou. Vois-tu, je nourris une insatiable curiosité pour tout l'écosystème de cette île. Mais se pourrait-il que tu sois Lisa, la philanthrope ayant choisi ou planté cette tente? C'est moi. Coup de génie, s'il en est. C'est donc à toi que je dois avoir pu poser mes plumes dans cet humble lieu. Pour ce qui est des recherches que je viens d'évoquer, en réalité, j'ai la ferme intention d'ouvrir ici un musée, et donc de m'installer parmi vous sur cette île. Alors si tu découvres une nouvelle espèce d'insecte ou de poisson, viens me présenter ta trouvaille. Lorsque le musée sera achevé, je les exposerai en même temps que celle que tu as donnée à Tom Nook. Ouh, il me faut admettre un léger problème au sujet de ces dons. Comme je manque cruellement de pièces à exposer, on me refuse l'ouverture d'un véritable musée. On m'explique que des vitrines vides n'attireront guère le chaland. Des vitrines pleines, voilà le défi. Je ne compte pas me confiner aux insectes et aux poissons. J'ai aussi l'intention d'exposer des fossiles. Il se trouve qu'il y a de substantiels arpents de terre au-delà de la rivière, et je serais prêt à parier jusqu'à ma dernière plume que ces terrains regorgent de superbes fossiles. Je te prie de m'excuser pendant que je transmets des informations cruciales vers ton Nookphone. Merci bien, la perche. La perche, la perche, la perche. Yay! Voilà, il suffit de confectionner une perche avec du bois récupéré ici. Je t'ai envoyé un plan de bricolage incluant également le schéma d'une pelle. Oh, alléluia! Afin de déterrer les fossiles, merci Tibou! Pour résumer, il me faudrait plus de pièces à exposer si je veux ouvrir le musée. 15 pour être exact. Y'a pas de souci Tibou, je te le donne. Tu m'as donné quand même une pelle et une perche. Donc franchement, tu mérites des fossiles. Oh, alléluia! Ok, je peux faire la perche. Du bois tendre, j'en ai. Du bois dur pour la pelle, j'en ai. Alléluia! Go faire la pelle et la perche. La pelle.
La perche. La liberté. Oui, on va pouvoir aller voir l'île, trop bien. Bon, j'ai fait ma routine, rembourser mes miles. J'ai pas encore donné les espèces à Thibou. J'ai pas vendu mes fruits pour gagner de l'argent. J'ai tapé mes pierres, mais j'ai pas tapé mes arbres. Attendez, la roue des outils, c'est combien de miles? Parce que là, ça me saoule. Le guide du panel à outils, c'est ça ou pas? Ou c'est savoir s'organiser? Oh, je sais pas. Je crois que c'est ça. 800 miles, c'est tout que je le prends. Je pense que c'est ça. C'est là que j'ai usé 800 miles pour rien. Tu as appris à changer facilement d'outils. Oui, c'est ça, parfait. Oh, alléluia. Prochaine étape, agrandir mon inventaire. Mais là, on part de l'autre côté de la rivière, trop bien. Yes. Ouh, ça c'est ma plage. Arrière, parfait, incroyable. Un petit fossile, petit fossile. Oui, le premier fossile, allez. Et des miles pour Bibi. 300 miles, parfait. J'ai pas encore l'échelle, mais ça me semble mignon. Ici, ça pourrait être un coin super sympa en vrai. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait deux rivières. Oh, le petit creux là, eh ben j'adore. J'adore ce petit creux, je le trouve trop mignon. Ici, avec de l'eau à gauche et de l'eau à droite. Puis là, tu peux mettre une petite maison, ça peut être super chou. Comment ça, mes poches sont pleines? Échangeons. Archer en position. Pas. Ça m'étonnerait que dans Narnia, elles disent pas. Pas. On va donner deux fossiles à Thibou et on va prendre ça, la sciure, la gobie. Vous avez vu, j'ai quand même eu des trucs sympas. Hein. Le scorpion, la sauterelle, la libellule. Bah, on va déjà amener ça. C'est parti, il va nous parler très longtemps, ça va être très long, mais il va nous apprendre tellement de choses. Quel est notre premier fossile? Ouh, il n'y a pas de doute possible, c'est un fossile. C'est incroyable, formidable et pas tant. Mon intuition vociférait donc une fois de plus la vérité. Alors, une queue de tricératops. Let's go, c'était notre premier fossile, GG. Ok, on se retrouve juste après que j'ai donné toutes mes espèces à Thibou. Accélération maintenant. Ok, il nous manque 6 dons et on a le musée, ok? Let's go trouver 6 espèces. Alors normalement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5... Non, ne me dis pas que j'ai pile poil le bon 6. Oh, go voir si c'est bon comme ça, les gars. J'ai eu le chiffre pile poil. J'avais 15 espèces. Oh non, j'avais déjà Donatome Nook, la carpe et la guêpe. Oh là là, le Sam, il manque... un don. Vous connaissez le « je veux pas des poires et j'ai des poires ». Bah là, c'était pareil. Je croyais avoir le chiffre, mais non, il manque un don. Bon, on va essayer de pêcher des poissons pour avoir un spécimen qu'on n'a pas encore. Allez, toi, dis-moi que toi, tu es un poisson que je n'ai encore jamais vu. Est-ce que tu es l'élu? Oh non! Toi, tu es l'élu. Dis-moi que tu es l'élu. Une petite grenouille pour décorer chez Gordon. Mon rêve d'avoir une grenouille, ça fait depuis tellement longtemps que je voulais une grenouille. J'ai eu Henri et j'ai pas pu lui faire une déco, j'ai arrêté. L'élu, l'élu. Pas du tout, pas du tout, on a déjà une carpe. T'attends toujours, toi, j'avoue. Je suis vraiment désolée. Écoute, attends. Pas du tout, une palourde. Désolée, Gulliver, je voulais t'aider, mais... Oh, ça m'a donné une idée, dis donc. Allez, les appâts, dis donc. Oh. Bien, ouais, j'allais. Tu as pris une limande, parfait. Les émetteurs de Gulliver, ils sont où? Oh, et de 1, 2... 3, 4 et 5. Merci, amen. Parfait. Ok, Gulliver, c'est fait. Yes, il est content. Je peux avoir mes tickets. Parfait, merci. Ah oui, il va me donner un cadeau demain. Parfait, merci, Gulliver. Allez, 300 miles, let's go. Go retrouver Thibou, l'élu, cette limande. Pour le coup, on va apprendre quelque chose sur la limande. La limande est un poisson plat présentant de nombreuses similitudes avec le cardo. Cependant, il suffit à l'amateur éclairé d'observer leur bouche pour les distinguer aisément. Les yeux de la limande sont tous les deux du côté droit et ceux du cardo tous les deux du côté gauche. Sachant qu'ils passent l'essentiel de leur temps allongés sur un flanc différent, c'est somme toute logique. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour. Parfait, merci. Nous y sommes parvenus, nous avons réuni le nombre de pièces requis. Réunir assez de donations dès mon premier jour, je n'osais l'espérer, tout en restant dans ma tente et en ayant cette petite Lisa là qui a été tout chercher pour moi, je n'ai rien fait. Et pour honorer ce noble dessein, je vais de ce pas déposer la demande de construction. Avec plaisir, Thibou. Nous voilà avec le musée débloqué. C'était l'objectif de base de cet épisode. Il faut que je plante mes pommes. J'ai planté une pomme. Let's go. Achète-moi mes poires. 3000 clochettes, allez. Allez, corne d'abondance. Parfait. Alors, je vais t'acheter une hache. Merci. Allez, des miles. Perce-oseille, let's go. Ok, je vais taper dans mes arbres, comme ça je vais avoir mes petits bois. Donc je reviens une fois que j'ai tapé mes arbres, les gars.
500 miles. Allez, qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau? Chapeau d'écolier? Oh, c'est mignon. Allez hop, c'est le nouveau look du jour. Let's go faire ma hache. Ok, j'ai envie d'aller secouer des arbres de l'autre côté de la rive pour récupérer des maïs nooks. On sait jamais, les chasses vont arriver et j'aime bien avoir quand même un peu le choix. C'est vrai que je vais essayer de pas être trop difficile quand même. Allez, 5 tickets. Il y a tellement de trucs à faire. Quand tu recommences ton jeu, c'est incroyable. T'es débordé en fait au début de ton jeu. Il y a ça à faire, mais ça aussi, puis ça, puis il te faut ça, puis il te faut ça. Je pense qu'on va pouvoir passer au lendemain. J'ai tout fait, je crois que j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Dans mes tâches à faire, j'ai fait ma routine, j'ai remboursé les miles, j'ai donné les espèces à Thibou, je suis en train de prendre mes fruits pour les vendre, j'ai tapé mes pierres, j'ai secoué mes arbres. Donc on peut passer au lendemain en vrai. Et voir si on peut partir en chasse. Hey hey! Oh, il est trop mignon! On est Halloween, il faut absolument que je change. Bonjour, bonjour, il est 14h18 en ce beau dimanche 29 octobre. Pas du tout, et c'est Tom Nook qui vous parle. On va repasser évidemment en mai après, mais pour le moment j'ai trop peur que ça change quelque chose, donc du coup je suis arrivée là, mais à la fin d'aujourd'hui là, je retourne en mai, ça va pas. Nous lançons aujourd'hui même le chantier du musée de Cauliflower, allez! Merci à Lisa, et encore à Lisa, merci beaucoup! Ok, avant de commencer, évidemment, on part sur la petite routine du jour. Du coup, la boîte aux lettres, la bouteille, secouer mes arbres. Ok, comme vous voyez, Molly est venue me donner mes 5 tickets nous que j'ai gagnés. Tu es tellement mignon, fais une photo, Gordon. Oh, 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 il se passe quoi là? Il y a soirée au bal masqué, oh, et oh, et. Vu l'augmentation du nombre de propriétaires, il serait sans doute opportun d'ouvrir une boutique. Toutefois, les logis de nos clients doivent conserver la priorité dans nos projets de construction. Super, j'avais pas oublié que je te devais 98 000 clochettes, hein, tu sais. Oh, tu m'offres un ticket maïs, mais non. Je me disais que tu serais peut-être intéressé par une collaboration d'un nouveau genre. La construction d'une boutique. Mais je peux pas donner mes fossiles, l'autre il est pas là. Mais comment je fais? Oh! Mon premier arbre à clochette, alléluia! Oh, trop bien. Yay! 6 pieds sous terre, allez, et encore un. Oui, allez, 300, let's go. 500, oh, trop bien. Est-ce qu'il serait pas temps d'agrandir son inventaire un peu? Parce que là, franchement, ça saoule. Enfin, purée! J'ai tellement secoué d'arbres, il n'y en avait aucun. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Rina? Dis-moi tout. Il paraît que tu rassembles du matos pour une boutique. Oui, c'est vrai. Je le savais. Merci pour ce que tu fais pour Cauliflower. Oh, j'ai une idée. Je vais te filer un truc pour t'aider. Tiens. J'ai trouvé le plan de cette pelle dans un genre de guide de bricolage que j'ai chopé. Mais merci, Rina, mais t'es incroyable. Elle m'a donné une pelle incroyable. Tu es ma sauveuse aujourd'hui, Rina. Ok, je vais agrandir mon inventaire. C'était du coup savoir s'organiser. Alléluia! Oh, purée! Ok, let's go. On va essayer, les gars. On va voir s'il y a un habitant. Oh, il est trop mignon. Let's go! Oh non. Oh si! Il y a un habitant! Oh là là, excellent! Bon, c'est Emma, je l'ai déjà eu. Emma, la transparent girl, bien sûr. Il y a un truc qui m'intéresse, c'est ceci. En espérant une pépite, deux pépites. Allez, encore une troisième pépite. Oh, trois pépites, quatre pépites. Oh, incroyable! Cinq pépites, c'est une blague. Les gars, j'ai les pépites, c'est bon. Bon, il n'y a pas de fruits différents, je vais prendre de la coco aussi. On n'a pas de coco, en fait. Je pensais qu'on avait la coco directement, mais en fait, non. Yes! Nos premières cocos. C'est quoi? C'est un VTT. Ça va peut-être pas nous servir beaucoup. Peut-être que si, on va voir. Oh, une pépite d'or, mais j'hallucine. C'est quoi cette chance? Oh! Alléluia! Oui, et un ticket nook en plus. Ta-ta-tain. Bon, je récupère tout et on part sur le deuxième habitant, ok? Let's go. Oh non! Pourquoi? Ok, une guêpe s'il vous plaît. Oui! Oh, il m'est tombé dessus, j'ai eu peur que ça marche pas. Alléluia! Oh oh oh, alléluia! Ah ah ah! Un habitant sympa. Oh, oh non. Je suis plus qu'à plus 2 pour aujourd'hui, je suis dégoûtée. Oh là là. Le prochain ticket sera le bon. S'il vous plaît, quelqu'un de bien. S'il vous plaît, quelqu'un de bien. S'il vous plaît. Oh. Oh, oh, oh. Pff.
Je suis trop difficile, je le sais. Hein. C'est qui lui en fait? Je sais même pas ton nom. Martin. Martin, il est pas mal en vrai. Hein. Enchanté, moi c'est Martin, je suis venu visiter cette île. Je vais essayer de pas être trop difficile et de prendre le Martin. Il va dans le thème en vrai. S'il réfléchit avant les 30 jours, écoute, on le changera. Oh, je sais pas, j'ai envie de continuer quand même. Il me reste 2 tickets, j'aimerais bien quand même trouver un petit canard. Une Molly, ce serait incroyable. Ok, c'est parti. Oh non. Oh non. Pff. Oh là là, non, je le veux pas, lui. J'ai encore un ticket, je le prends. C'est maintenant ou jamais. Oh non, c'est un lion! Je suis dégoûtée. J'ai pas envie de le prendre, lui. Je suis dégoûtée pour la chasse, franchement, j'espère que je vais pas regretter de pas avoir pris le cheval. Bref, j'espère que vous kiffez ce challenge, j'espère que vous vous amusez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me rejoindre sur mon Instagram, Lisa Kimchi-en-dessous. Et nous, on se dit à demain pour le prochain épisode. Bye!